Un courant miracle, chapitre 2, section 5, la fonction du faiseur de miracles. Introduction. Comme à l'accoutumée, je voudrais faire une introduction de mon cru qui n'est pas dans le cours, mais qui a vocation à nous faciliter la compréhension de cette section 5 du chapitre 2 d'un courant miracle, la fonction du faiseur de miracles. Premièrement, cette introduction ne fait pas partie du cours. Son but est de faciliter la compréhension de cette section 5 du chapitre 2. Deuxièmement, l'être dans l'univers des idées est comparable au corps dans le monde. L'identité de l'être est sa manière de penser ou son système de penser. L'être est donc en fait un ensemble de croyances et de pensées qui font son identité et que j'appelle son système de pensée. Troisièmement, il n'y a que deux systèmes de pensée, celui de la perfection et celui de l'imperfection qui pensent de la perfection s'appelle aussi l'amour il s'appelle aussi l'unité parfaite et celui d'imperfection s'appelle aussi la peur et s'appelle aussi la dualité donc c'est les deux systèmes de pensée qui existent dans l'univers il n'y en a point d'autres quatrième point de mon introduction la perfection est quand il y a un seul parce qu'il a tout au maximum et il est tout seul le pur esprit est parfait donc la perfection n'est pas possible dès qu'il y a deux pourquoi parce que les deux se partagent les ressources, les deux se partagent le pouvoir, les deux se partagent l'espace, les deux sont, se limitent mutuellement et du coup il n'y a plus de perfection. Pour qu'il y ait perfection, il faut qu'on soit dans un univers où il y a une seule chose et c'est le ciel. Le ciel est le seul univers où il y a une seule chose, cette seule chose est le pur esprit qui est commune à tous les êtres du ciel. Dans le pur esprit est un ensemble de croyances qui sont partagées par tous les êtres du ciel, si bien que personne n'a des pensées privées, personne n'a la prétention d'avoir pour que ce soit de personnel d'individuel de particuliers cinquième point le pur esprit est le système de pensée de l'unité parfaite il est dans l'ensemble des croyances que partagent Dieu et toutes ses créations autant dire qu'il est Dieu il est la vie il est l'amour il est la paix et il est la joie illimitée il n'attaque jamais parce qu'il sait qu'il est seul il ne peut pas concevoir qu'il est autre chose que lui parce que tous ses attributs sont maximum tous ses attributs sont parfaits et il n'a donc aucun concurrent. Et il ne peut donc pas concevoir l'idée de la dualité ni l'idée de l'attaque. Sixième point. L'imperfection émerge quand il y a deux qui se partagent le pouvoir et les ressources. Il en résulte automatiquement un conflit. Il en résulte la peur, le péché, la culpabilité, l'attaque et la mort. Septième point. L'ego est le système de pensée de la dualité, de la division, de la fermentation, de la séparation, de l'exclusion, du jugement, de la condamnation et de la mort. Dans l'ego est l'opposé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'enseignant du système de pensée de Dieu, du pur esprit, dans le rêve, pendant que l'ego est l'enseignant du système de pensée de la dualité dans le rêve. Dans l'ego enseigne que la division est réelle, que la fermentation est réelle, que la séparation est concevable, que l'exclusion est possible, que le jugement est autorisé et que la condamnation et la mort sont des réalités. Pourquoi Parce que l'ego vit sur le fondement de ce qu'il y a deux et non pas un seul, c'est-à-dire Dieu et autre chose, le ciel et autre chose. Tandis que le pur esprit, lui, étant le système de pensée de la perfection et de l'exclusivité, de l'unité parfaite, il ne peut pas concevoir qu'il y ait autre chose que Dieu dans l'univers. Donc chacun de nous, chaque esprit, chaque être, chaque entité, a le pouvoir de choisir de penser soit comme le pur esprit, soit comme l'ego. Donc quand il pense comme le pur esprit, il pense qu'il est Dieu parce qu'il n'y a que Dieu et Dieu est le seul être dans l'univers. Et quand il pense autrement que le pur esprit, il pense qu'il y a des corps, des univers, le ciel, l'enfer et autres dans l'univers. Et ce que nous pensons détermine notre identité, ça détermine l'enseignant que nous avons choisi pour nous guider, ça détermine à quel univers nous croyons appartenir. Si nous pensons comme le pur esprit, nous sommes automatiquement au ciel. Et si nous ne pensons pas comme le pur esprit, nous nous éjectons du ciel et nous nous retrouvons dans des univers rêvés tels que celui dans lequel nous sommes maintenant. Autrement dit, point 8, dans le rêve, je peux penser avec le Saint-Esprit et faire des miracles ou penser avec l'ego et faire la magie. Dans les miracles, c'est quand nous pensons avec le pur esprit comme au ciel, et la magie, c'est quand nous pensons avec l'ego dans le rêve. Neuvième point. Le Saint-Esprit est le souvenir de la manière de penser de Dieu. Il juge de vrai ou de faux. Pendant que l'ego juge de bien ou de mal, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est préoccupé qu'à nous aider à distinguer la réalité de l'irréalité. Pendant que l'ego opérant dans le rêve, ne nous aide qu'à estampiller les choses de bien ou de mal, les deux étant des attributs de l'irréalité. Dixième point. Un faiseur de miracles est celui qui rappelle à ses frères que l'ego n'est pas la seule manière de penser. Il le fait en pensant comme le Saint-Esprit. Celui donc qui pense avec le Saint-Esprit est libre parce que le Saint-Esprit est illimité. Et celui qui fait ou donne des miracles ou les idées de Dieu à ses frères est celui qui est faiseur de miracles. Deuxième point, celui qui pense avec l'ego est prisonnier des limites parce qu'il enseigne à ses frères que la matière et la réalité et les idées ne sont rien. Après cette introduction de ma part, pour nous faciliter la compréhension de cette section 5 d'un courant miracle au chapitre 2, nous allons maintenant passer à la lecture phrase par phrase de cette section 5, la fonction du faiseur de miracles. Paragraphe 1. Phrase 1. Avant que les faiseurs de miracles soient prêts à entreprendre leur fonction dans ce monde, il est essentiel qu'ils comprennent pleinement la peur de la délivrance. La délivrance, c'est au niveau des idées. La délivrance, c'est opérer comme Dieu. La délivrance, c'est prendre conscience de ce que nous ne pas les corps. La délivrance, c'est savoir que nous sommes illimités. La délivrance, c'est savoir que nous avons tout pouvoir, le pouvoir de Dieu. Mais c'est une idée qui nous fait peur. Parce que nous sommes nés dans les limites, et dans la peur. Nous sommes nés dans les, la prison du corps. Nous sommes nés dans la séparation. Du coup, nous croyons que la séparation est notre seule réalité. Nous croyons que le corps est notre réalité. Nous croyons que ce monde est notre réalité, et nous estimons que ce qui n'est pas de ce monde est mystérieux, est mystique et dangereux. Nous en avons peur. Donc, l'enseignant d'un cours en miracle doit d'abord comprendre que son étudiant est convaincu que ce monde est réel et que toute autre chose est mystérieuse, est mystique et métaphysique, et que c'est encore. Donc, il faut y aller avec sagesse, il faut y aller avec doigté pour expliquer à l'apprenant que ce monde est le rêve et que la réalité est ailleurs. Phrase 2. Autrement, l'enseignant pourrait entretenir sans le savoir la croyance que la délivrance est un emprisonnement, croyance déjà largement répandue. Donc, si nous nous prenons garde, nous allons en renforcer l'idée en l'apprenant de ce que être dans l'unité parfaite avec Dieu, c'est la prison. Alors qu'être dans la dualité, c'est la liberté. C'est ce que nous croyons déjà. Donc, il ne faut pas renforcer cette croyance. Au contraire, c'est ce nous sont venus renverser quand on est ancien d'un cours à miracle, quand on est ancien de l'expiation. Il est question de faire comprendre à l'étudiant que la dualité est plutôt la prison, puisqu'elle limite l'apprenant dans un corps. Elle le limite par rapport à ses frères, alors que l'unité parfaite le rend illimité et elle est la véritable liberté. Et celle-ci n'est possible que quand il reconnaît qu'il est une idée et non pas un corps. Troisième phrase. Cette malperception vient à son tour de la croyance voulant que le nuisible puisse se limiter au corps. Puisque l'apprenant croit qu'il est un corps, donc pour lui, le seul danger qu'il doit prévenir est contre le corps. Il croit que l'esprit n'existe pas, il ne reconnaît même pas son esprit, il est sans esprit, donc pour lui, tout son univers est l'univers de la matière et c'est lui qu'il veut protéger. Du coup, ce qui n'est pas de la matière, ce qui n'est pas du corps est dangereux pour lui, est mystérieux pour lui, est mystique pour lui, et à éviter. Quatrième point, quatrième phrase, cela à cause de la peur sous-jacente que l'esprit puisse se blesser. Le fait est que l'esprit se sent coupable et l'esprit n'a pas envie de se souvenir de sa culpabilité. Donc, pour éviter d'en devoir cette culpabilité, pour éviter de nous blesser à l'intérieur, nous avons choisi de nous identifier au corps. Parce que l'esprit fonctionne selon le mode l'un ou l'autre. Soit on est l'esprit, soit on est le corps. En décidant d'être le corps, nous avons oublié que nous sommes l'esprit et du coup, nous avons caché la culpabilité que nous ressentons à croire que nous avons attaqué Dieu pour quitter le ciel. Cinquième phrase. Aucune de ces erreurs n'est signifiante parce que la malcréation de l'esprit n'existe pas réellement. En vérité, l'esprit est une seule idée à jamais. L'esprit est parfait à jamais. L'esprit ne peut jamais se diviser. L'esprit ne peut jamais opérer différemment de la volonté de Dieu, sauf dans un rêve. Donc quand nous décidons par le pouvoir du Fils de Dieu que nous avons de penser que l'esprit peut penser autrement et faire autrement, alors il se met donc à faire la magie. Mais cette magie se passe dans un rêve, puisque ce qui se passe dans un rêve ne se passe pas réellement. Dans les malcréations de l'esprit, les pensées fausses de l'esprit n'existent pas réellement, ce n'est dans notre rêve individuel et chacun ne peut voir que ce à quoi il croit. Sixième phrase. Reconnaître cela est un bien meilleur mécanisme de protection qu'aucune forme de confusion de niveau parce qu'elle introduit la correction au niveau de l'erreur. Donc si nous avons compris que seul l'esprit peut penser et que seul l'esprit peut penser faussement et que les mal créations de l'esprit ne sont pas réelles parce que l'esprit ne peut jamais changer, l'esprit étant Dieu, l'esprit étant le pur esprit et il n'y a rien d'autre, du coup, nous guérissons toute notre confusion des niveaux. Nous cessons de croire que le corps peut être la source de nos problèmes et que le corps pense. Nous cessons de croire que le pur esprit est dangereux et nous comprenons que toute notre attention doit être accordée à l'esprit qui pense faussement pour l'entraîner à penser, justement, pour l'entraîner à penser que, étant Dieu par essence, il ne peut pas être malade, il ne peut pas être divisé, il ne peut pas être en danger, il n'a rien à craindre et il est unique et seul, il est parfait. Phrase 7. Il est essentiel de se souvenir que seul l'esprit peut créer et que la place de la correction est au niveau de la pensée. Nous l'avons dit à la dernière vidéo, nous opérons dans le rêve à trois niveaux. Nous opérons au niveau du corps, nous opérons au niveau de l'esprit malade, d'esprit faux, et nous opérons au niveau de l'esprit juste. L'esprit juste est juste parce qu'il pense déjà parfaitement. Il pense déjà comme Dieu. Il est la demeure du Saint-Esprit. Il est ce que nous reconnaissons quand nous sommes illuminés. Il est la case d'entrée au ciel quand on a fini d'apprendre le leçons de pardon. Et donc nous avons guéri notre culpabilité inconsciente totalement. Donc, quand nous ne sommes pas dans l'esprit juste qui est l'esprit de l'illuminé, nous sommes dans l'esprit faux qui lui en fait est une fiction. L'esprit faux est ce qui est réellement arrivé. C'est là que nous imaginons des choses impossibles. C'est un esprit qui fonctionne contrairement à toutes les lois de l'esprit et qui doit donc être entraîné à penser, à fonctionner comme fonctionne un esprit normalement. Et c'est cela la guérison. Et le troisième niveau donc, c'est le niveau des corps, dans lequel nous croyons que nous sommes la chair, nous sommes la matière et que nous sommes réellement ici dans le monde. Donc, il faut se souvenir que seul l'esprit faux peut penser forcément, que le corps ne pense pas et que l'esprit... Juste étant déjà parfait, n'a plus besoin de penser, d'être entraîné, d'être guéri dans la place de la correction. Le seul endroit où nous avons besoin d'apporter une correction dans le système de pensée, c'est dans l'esprit faux, dans sa manière de penser. Parce que l'esprit faux pense l'opposé de la volonté de Dieu. Il pense contrairement à l'esprit juste. Il doit donc être entraîné à penser comme l'esprit juste à défaut de se taire. Phrase 8. Pour étayer un précédent énoncé, le puits l'esprit est déjà parfait et ne requiert donc pas de correction. Donc, comme je l'ai dit, depuis l'esprit est déjà parfait, c'est-à-dire qu'il pense déjà comme Dieu, il pense déjà à perfection, il pense déjà qu'un esprit ne peut pas être malade, il pense déjà que l'esprit est toujours parfait, il pense que l'esprit est toujours Dieu, il pense que l'esprit est unique et du coup, il n'a pas besoin de correction. Phrase 9. Le corps, quant à lui, n'existe pas, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Quant au corps, il est une image projetée sur un écran pour permettre à l'esprit faux de s'entraîner à penser soit avec le Saint-Esprit ou avec l'ego. Donc, en cela, le corps ne peut pas commettre d'erreur, il ne peut pas induire des pensées parce qu'il ne pense pas. Phrase 10. De lui-même, ce mécanisme d'apprentissage n'est pas sujet à l'erreur parce qu'il ne peut pas créer. Je l'ai expliqué, dont le corps étant juste une marionnette qui est projetée sur un écran de cinéma, ne peut pas produire des pensées de nature à induire des erreurs de nature à enseigner forcément l'esprit faux. C'est l'esprit qui dit au corps ce qu'il doit faire, mais le corps n'a rien à dire à l'esprit parce que le corps lui-même n'est qu'une image qui est projetée par l'esprit pour faire un cinéma. Phrase 11. Il est évident donc. Qu'induit l'esprit à abandonner ses malcréations est la seule application de l'aptitude créatrice qui soit vraiment signifiante. Donc il est évident que. Entraîner l'esprit à penser comme l'esprit juste, l'esprit fort sous-entendu, entraîner l'esprit foi à penser comme l'esprit juste est la seule application de l'aptitude créatrice, la seule fonction que nous avons à faire dans ce rêve, lui apprendre à penser comme Dieu à défaut de l'amener à cette terre pour que nous puissions donc nous identifier à l'esprit juste. Je rappelle, comme je l'ai déjà dit, que l'esprit fonctionne selon le principe de l'un ou l'autre. Soit nous nous identifions à l'Esprit juste et nous pensons avec le Saint-Esprit et nous sommes prêts à retourner à la vérité, à la création au ciel. Soit nous pensons avec l'ego et nous croyons que nous sommes dans l'Esprit faux et nous pensons en dualité. Nous pensons que l'Esprit peut être imparfait, qu'il peut être malade, qu'il peut être divisé, qu'il peut penser différemment de la volonté de Dieu. C'est cela le but d'un courant miracle nous aider à corriger cette erreur. Paragraphe 2, phrase 1. La magie est l'usage sans esprit ou mal créateur de l'Esprit. En vérité, l'esprit faux n'existe nulle part. Le seul esprit que nous avons est l'esprit juste qui est le reflet du ciel dans notre rêve. Donc quand nous fonctionnons avec l'esprit faux, puisqu'il ne sait pas... Le dessein du Saint-Esprit, il est considéré comme n'existant pas. Donc, quand nous fonctionnons avec l'esprit faux, c'est comme si nous fonctionnons sans esprit. Parce qu'un esprit qui ne fonctionne pas selon les lois de l'esprit, autant dire qu'il n'existe même pas. Donc, la magie est le fait pour nous de croire que nous sommes un corps. Et quand nous sommes un corps, c'est comme si nous sommes une entité qui est flottante sans esprit, comme support, comme fondement. Phrase 2. Les médications physiques sont des formes de sortilèges, mais tu ne devrais pas tenter d'utiliser l'esprit pour guérir le corps si tu as peur de le faire. Donc, quand nous croyons que nous sommes un corps, naturellement, notre concentration n'est dirigée que vers le corps. Il faut le nourrir, il faut le protéger, il faut le soigner, il faut le guérir avec les médications physiques. Tout ça montre que nous sommes en train de faire la magie, c'est-à-dire que nous fonctionnons sans esprit. Nous fonctionnons comme si ce monde était réel et que nous sommes seulement le corps et rien d'autre. Mais nous ne devons pas tenter de vivre comme les esprits tant que nous croyons encore que nous sommes un corps. Et surtout que nous avons encore un corps. Parce que le corps est projeté à l'écran comme un scénario dans un film. Et dans le scénario, il y a des choses qui ont été prévues. Donc si la maladie a été prévue dans le scénario du, du film pour le corps alors qu'il en soit ainsi seulement il ne nous appartient pas de regarder le film et de tirer des conclusions du genre le corps a mal alors j'ai mal et commencer à pleurer dans la salle de cinéma commencer à avoir peur commencer à fuir commencer à s'inquiéter simplement parce que le corps à l'écran est en train de faire semblant de souffrir le corps est en train de faire semblant de mourir il est question que nous apprenions à distinguer clairement les images à l'écran le corps et le monde de l'esprit qui peut donc tirer des conclusions fausses de ce qu'il voit et croit qu'il a besoin d'avoir peur, croit qu'il a besoin de s'inquiéter, croit qu'il a besoin d'acheter les souffrances du corps et croit qu'il a même besoin de mourir parce que le corps est mort, non nous fonctionnons à deux niveaux. Nous projetons un film à l'écran, le film des corps, le film du monde. Nous devons le regarder de manière zen, sachant que ce n'est pas nous et tout ce qui se passe à l'écran ne nous concerne pas parce que nous sommes l'esprit. Celui qui a projeté le film est celui qui est en train de le regarder pour l'interpréter. Donc il y a des questions que nous interprétons le film d'horreur que nous appelons La Peur ou Le Monde, en comprenant que il n'est qu'un film, il n'est pas réel, il n'a donc pas besoin de nous faire peur. Et ce qui se passe avec l'acteur que nous croyons être nous à l'écran ne nous concerne pas réellement. Phrase 3. Le fait même que tu aies peur rend ton esprit vulnérable à la malcréation. Donc, dès que les images à l'écran nous font peur, l'esprit va commencer à mal fonctionner. Il va croire que la, le monde est réel. Il va croire que les différences sont réelles. Il va croire que il est réellement dans le monde. Il va croire qu'il a réellement quitté le ciel. C'est ça la malcréation. Penser à l'opposé des attributs réels et éternels de l'esprit. Donc, la peur des images que nous voyons à l'écran va nous induire à la malcréation, va nous conduire à penser différemment du Saint-Esprit, va nous faire avoir confiance en l'ego et croire que c'est l'ego qui a raison et que le Saint-Esprit se trompe. Phrase 4. Par conséquent, il est probable que tu comprennes mal toute guérison qui pourrait survenir et parce que l'égocentrisme et la peur vont généralement de pair, tu serais peut-être incapable d'accepter la source réelle de la guérison. Donc, étant donné que c'est l'esprit qui a projeté le corps à l'écran, évidemment, l'esprit possède envoyer la scène de guérison du de, 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 de corps à l'écran. Donc, impatients que nous sommes d'attendre que l'esprit décide de ce qu'il a prévu dans son scénario, nous allons peut-être courir prendre les médicaments, nous allons courir faire autre chose parce que nous croyons que ce qui se passe à l'écran est réel. Du coup, si nous croyons que nous avons besoin de comprimés, des massages, des écorces, des, 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 des potions pour guérir le corps, et que l'esprit vienne avec le scénario de guérison du corps par la pensée, nous allons encore augmenter notre peur. Ce n'est pas dans notre intérêt. Donc il est question que si nous avons encore peur d'attendre le scénario de l'esprit qui pourrait envoyer les images du corps guéri à l'écran, en tant qu'affaire, allons-y, prenons des médicaments. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas un drame, ce n'est pas mauvais. Tout simplement que nous sommes en train de nous enseigner que le corps est réel et que le corps a besoin de notre intervention pour faire ce qu'il doit faire dans le monde. Phrase 5. Dans ces conditions, c'est plus sûr pour toi de te fier temporairement à des mécanismes de guérison physique parce que tu ne peux pas les mal percevoir comme étant tes propres créations. Donc, si nous avons encore peur de voir l'esprit guérir le corps comme il l'a rendu malade, alors tant qu'à faire, prenons les médicaments, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal, aussi longtemps que nous ne sommes pas encore prêts à accepter que l'esprit est celui qui a rendu le corps malade et qu'il est aussi celui qui devrait le guérir selon le scénario qu'il a prévu, sans que pour autant nous achetions la douleur que nous croyons que le corps ressent, sans que l'esprit ne décide qu'il ressent les douleurs que le corps est en train de simuler à l'écran. Phrase 6. Aussi longtemps que persiste ton sentiment de vulnérabilité, tu ne devrais pas tenter de faire des miracles. Aussi longtemps que nous avons encore peur de la puissance de la pensée, aussi longtemps que nous avons encore peur de savoir que c'est l'esprit qui décide de tout, alors il n'est pas question de nous fier 100% à l'esprit, faisons ce que le corps doit faire à l'écran, faisant lui confiance, prenons des comprimés, mangeons, dormons. Et, et, Préparons-nous à la retraite, faisons tout ce que le corps devrait faire sans nous culpabiliser, jusqu'au jour où nous allons comprendre que tout vient de l'esprit. Alors nous serons plus calmes, plus relaxés, plus paisibles parce que nous serons que l'esprit a décidé ce qu'il a décidé et ce qui se passe à l'écran ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas le corps. Paragraphe 3, phrase 1. J'ai déjà dit que les miracles étaient des expressions de l'esprit de miracle. Or, esprit de miracle signifie justesse d'esprit. Donc, quand nous sommes en train de rêver, nous pouvons avoir la justesse d'esprit, c'est-à-dire que nous rêvons avec le Saint-Esprit, comme nous pouvons aussi rêver avec l'ego. La justesse d'esprit, c'est rêver conformément à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit, c'est rêver unité parfaite, tandis que la fausseté d'esprit, c'est rêver dualité. Donc, nous faisons des miracles dans notre rêve quand nous avons la justesse d'esprit, quand nous rêvons selon les lois, selon le système de pensée du Saint-Esprit. Phrase 2. Ceux qui ont l'esprit juste n'exaltent ni ne déprécient l'esprit des faiseurs de miracles, ni l'esprit de celui qui reçoit les miracles. Celui qui fonctionne selon la justice d'esprit ne juge pas et ne condamne pas. Il n'estime pas que le faiseur de miracles fait bien ou mal, ni que celui qui reçoit les miracles fait bien ou mal. Il est simplement là, il a reçu l'expiation pour lui-même et il se tient comme une antenne parabolique pour transmettre la pensée d'expiation de à ses frères en pensée sans juger ce qui se passe à l'écran, parce que tout ce qu'il voit à l'écran, que ce soit le faiseur de miracles ou celui qui le fait le miracle, ce sont des images qu'il a lui-même projetées. Il n'a donc pas à les déprécier ni à les valoriser. Il n'a pas à les juger de bien ou de mal. Il n'a pas à juger ce que ces images sont en train de faire. Phrase 3. Toutefois, en tant que correction, le miracle n'a pas besoin d'attendre la justesse d'esprit du receveur. C'est quoi un miracle nous sommes des jeux de pensée. Nous sommes tous des systèmes de pensée et chacun fonctionne selon des pensées qui ont émergé dans sa conscience. Donc, très souvent, nous avons préféré les pensées de l'ego et celles qui nous gouvernent pour nous faire croire que nous sommes des corps vivants réellement dans ce monde pour accomplir des œuvres réelles. Faire un miracle, c'est donner des pensées de Dieu à mon frère, des pensées du de Saint-Esprit à mon frère, des pensées d'amour à mon frère pour que c'est elle qui émerge dans son système de pensée. Donc, celui qui est dominé par les pensées de l'ego ne peut pas faire des miracles parce qu'il ne peut pas donner les pensées de l'ego à son frère. Par contre, celui en qui les pensées de miracles sont dominantes peut les donner à son frère afin d'amener son frère à penser justement, à penser avec le Saint-Esprit, à penser comme lui. Donc, il n'est pas question que celui qui donne le miracle attende que l'autre qui reçoit le miracle soit déjà dans l'aide d'esprit, c'est-à-dire que les pensées de Dieu domine dans son système de pensée. Quand nous avons plus de pensées de Dieu que notre frère, ponctuellement, nous faisons le miracle en lui donnant ses pensées en pensée et non pas par l'enseignement. Simplement en pensant. Par exemple, nous trouvons quelqu'un qui est malade et qui croit qu'il est vraiment malade et qu'il souffre. La pensée que nous pourrions avoir pour lui donner le miracle en sa présence est de dire, mon frère, je te rappelle que tu as l'alternative à la maladie et que ce que tu es en train de voir n'est pas réel. Tout cela en pensée, c'est cela faire un miracle. Le miracle se fait en pensée il ne se fait pas en un enseignement par vidéo, il ne se fait pas par une aide physique dans un, dans un supermarché ou dans la rue. Le miracle est tout simplement de rappeler à mon frère qui croit que ce qu'il voit, ce qu'il endure est réel, qu'il y a une alternative à ce qu'il est en train de voir. Cette alternative est de au pur esprit, au saint esprit, à l'esprit juste afin de faire une autre expérience. Et si c'est la volonté de l'esprit, alors le scénario ou la souffrance qu'il est en train d'endurer va changer et il va guérir. Phrase 4. En fait, le but de... Faiseur du miracle est de ramener l'esprit de celui qui reçoit le miracle à la justesse d'esprit, c'est-à-dire qu'il veut amener celui qui apprend, celui qui reçoit le miracle, à faire dominer les pensées de Dieu dans son système de pensée à la place des pensées de, pensée de l'ego. Donc, c'est comme le principe des vases communicants celui qui a déjà reçu plus est donc celui qui doit donner à celui qui a reçu moins ponctuellement, sachant que le potentiel d'être parfait est disponible en les deux et qu'ils sont tout simplement en train de faire un jeu de rôle. Phrase 5. Il est essentiel toutefois que le faiseur de miracles soit dans l'esprit juste, ne serait-ce que très brièvement, sinon il sera incapable de rétablir l'agité d'esprit en notre vie. J'ai expliqué, il est donc essentiel que celui qui prétend faire de miracles soit dans la compréhension de ce que l'esprit ne peut pas être divisé, l'esprit ne peut pas être différent, l'esprit ne peut pas avoir des niveaux, l'esprit ne peut pas avoir quitté le ciel, l'esprit est toujours parfait pour pouvoir donc donner cette idée à son frère qui a encore des problèmes à le comprendre. Paragraphe 4, phrase 1. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt met en péril sa compréhension. Nous devons comprendre que le miracle pour en être un doit être donné à tous de manière égale dans l'univers. Donc, seul le Saint-Esprit peut jouer ce rôle de donner à tous de manière égale dans l'univers. Donc, si nous faisons le miracle par nous-mêmes, nous allons donner le miracle éventuellement à une personne et ça n'aura pas valeur de miracle parce que ça n'aura pas été donné à tous également. L'univers, donc faire le miracle, c'est accepter l'expiation pour soi-même et demander au Saint-Esprit de faire le reste. C'est ça le miracle. Mais si nous le prenons pour compétent, pour capable, pour celui qui fait le miracle, alors nous allons mettre en péril notre compréhension, nous allons mettre en péril notre propre guérison. Mais nous n'allons pas faire vraiment le miracle, nous allons faire la magie croyant que nous allons faire le miracle, même si l'idée semble être une idée d'amour. Si elle vient de nous et qu'elle n'a pas été donnée à tous parce qu'elle n'a pas été partagée par le Saint-Esprit, elle devient une idée qui ne nous aide pas. Au contraire elle devient une idée qui nous emprisonne. Phrase 2. Tu es en parfaite sécurité aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais continue d'avoir confiance en moi qui le suis. Moi ici étant mis pour Jésus, moi ici étant mis pour le Saint-Esprit. Donc, je l'ai expliqué, nous sommes en sécurité, nous avons fait réellement des miracles quand nous avons accepté l'expiation pour nous. Et simplement en pensant, Dieu Saint-Esprit, Saint-Esprit, rappelle à mes frères qu'il y a une autre alternative à la dualité, qu'il y a une autre alternative au rêve, que ce monde n'est pas réel. Et si ce sera faire le miracle. Le Saint-Esprit donc à notre pensée, va la partager à nos frères également, et nous aurons réellement fait un miracle. Mais si nous voulons nous-mêmes jouer des enseignants qui font des miracles, qui défendent des esprits, qui guérissent des esprits, et qui, moyennant parfois facturation, disent faire des miracles, alors nous ne sommes pas en train de faire des miracles au sens d'un courant miracle. Nous sommes plutôt en train de mettre en péril notre compréhension. Nous sommes en train de nuire à notre propre évolution vers le retour au ciel. Phrase 3. Si ton inclination à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait une intrusion dans ta justice d'esprit et la tourner sens dessus dessous donc chaque fois que nous ne parvenons pas à faire des miracles c'est un signe que en fait c'est l'ego qui est en train de nous gouverner c'est que nous croyons encore à la séparation à la division et que nous pensons dualité en cela même si nous employons les beaux mots les phrases d'un courant miracle nous ne sommes pas en train de faire des miracles ce ne sera pas des miracles qui nous aident et qui aident nos frères phrase 4. Toute forme de non-justesse d'esprit résulte de ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même. Donc, la seule responsabilité d'un faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même, c'est-à-dire qu'il soit convaincu que la séparation de Dieu n'a jamais eu lieu, qu'il n'a jamais quitté le ciel, que ce monde n'est pas réel. Et une fois qu'il a cette pensée, parce que le Saint-Esprit voudrait que les pensées que nous avons soient données à tous également dans l'univers, il va donc prendre cette pensée. Chaque fois qu'un enfant de Dieu a une pensée de lumière, une pensée de vérité, c'est le Saint-Esprit, sa fonction, de la partager à tous. Nous ne connaissons pas où sont nos frères. Nous ne connaissons pas où jusqu'où va l'univers. Nous ne connaissons pas ce que nous appelons les vies antérieures, les vies futures. Mais le Saint-Esprit connaît tout cela et il doit donner notre pensée d'amour, notre pensée d'expiation à tous. Donc notre seule responsabilité, c'est de fonctionner comme des antennes paraboliques qui reçoivent les pensées de Dieu dans nos rêves et qui les rendent disponibles au Saint-Esprit pour les partager à tous. Afin afin que l'égalité de tout soit préservée, afin que l'unité parfaite de tout soit préservée, afin que l'Esprit demeure entier, c'est-à-dire qu'il a le même niveau de compréhension, le Saint-Esprit, c'est sa fonction de prendre nos pensées d'amour pour les distribuer à nos frères sans que notre intervention ne soit utile. Donc, si nous avons la justice d'esprit, c'est que nous avons accepté l'expiation pour nous-mêmes et nous avons fini ainsi l'apprentissage d'un courant miracle. Nous devons nous-mêmes être convaincus que nous avons compris que ce monde n'est pas réel, que l'esprit est toujours parfait, que l'esprit est toujours entier, que tous nos frères sont Dieu. Bref, toutes ces pensées conformes au système de pensée du Saint-Esprit, quand nous les acceptons sincèrement, véritablement, le Saint-Esprit, c'est sa fonction de les partager à nos frères. C'est notre travail. Et c'est là, là que ça s'arrête Donc enseigner un cours à miracle ça ne se passe pas avec des mots ça ne se passe pas dans un salle de classe, ça ne se passe pas dans les vidéos, ça ne se passe pas par les sciences de délivrance et de, de guérison des esprits. Ça se passe en notre seul esprit où nous acceptons de manière convaincue, de manière définitive, qu'il n'y a pas de monde, qu'il n'y a pas de corps, que nous ne sommes pas ici, que tous nos frères sommes Dieu sans compromis et que nous fonctionnons exactement selon ce que nous croyons et non pas que nous fonctionnons en les regardant comme étant des corps tout en prétendant avec des mots que nous croyons qu'ils sont Dieu. Phrase 5. Si tu acceptes l'expiation, par contre, tu es en position de reconnaître que ceux qui ont besoin de guérison sont simplement ceux qui ne sont pas rendus compte de ce que la justesse d'esprit est la guérison. Donc, dès que nous avons la justesse d'esprit, dès que nous avons accepté l'expiation, dès que nous fonctionnons avec le Saint-Esprit, l'Esprit est guéri. Parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas par niveau et par étape, par évolution. Le Saint-Esprit fait tout une seule fois. Quand nous allons guérir notre esprit, quand nous allons accepter vraiment l'expiation, instantanément, puisqu'il ne fait pas à moitié, il ne fait pas pour, notre esprit sera guéri. Donc, aussi longtemps que nous croyons encore être ici, nous n'avons pas encore vraiment accepté l'expiation. Peut-être dans des mots, mais pas sincèrement, pas véritablement. Et c'est cela que nous sommes encore ici. L'illumination est instantanée à celui qui a automatiquement, vraiment, sincèrement, accepté l'expiation. Et elle est donnée. Aux frères, certainement, ils ne sont pas obligés de l'accepter tout de suite, mais l'idée leur est donnée et ils la verront, ils accepteront le jour où ils seront prêts eux aussi de se réveiller. Paragraphe 5, phrase 1 La seule responsabilité du faisant des miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même. l'ai réexpliqué, ce n'est pas nous qui donnons les miracles, mais tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter la vérité qui est que il n'y a que le ciel et rien d'autre. Il n'y a que Dieu et rien d'autre. Tous nos frères sont Dieu, sans exception. Le péché est impossible. Le mal est impossible. La division est impossible. La séparation est impossible. La fragmentation est impossible. Les ténèbres sont rêvées et tout ce que nous avons inventé dans notre rêve. Quand nous allons avoir cet état d'esprit, sincèrement, véritablement et permanemment, nous serons automatiquement illuminés et le reste est une affaire du Saint Esprit. Dans notre sensibilité, dans le rêve. En tant que faiseur de miracles, et d'être comme une antenne parabolique qui reçoit l'idée de l'expiation, qui reçoit les idées de Dieu pour que le Saint-Esprit les donne à ses frères. Phrase 2. Cela signifie que tu reconnais que l'Esprit est le seul niveau créateur et que ses erreurs sont guéries par l'expiation. Donc accepter l'expiation se reconnaître que seul l'esprit faux a jamais pensé que ce monde est réel que l'esprit est divisé que le combat est possible que les corps sont notre réalité que ce monde va finir et que c'est encore toutes les inventions que nous avons fait dans nos rêves donc quand nous avons compris que c'est l'esprit faux qui pensait ainsi faussement et nous lui donnons l'expiation pour lui dire arrête tes histoires tout ce que tu racontes n'est pas réel seul Dieu est réel seul le, le pur esprit est réel il n'y a pas de monde il n'y a pas de corps il n'y a pas de combat il n'y a pas de tout ce que nous avons inventé, alors nous avons accepté l'expiation pour nous-mêmes. Une fois que tu acceptes cela, ton esprit peut seulement guérir. Donc, l'esprit qui est donc devenu ainsi guéri parce qu'il a accepté la vérité, il a accepté l'expiation, il ne peut que donner la guérison, il ne peut que donner l'expiation à ses frères. Il ne peut plus que guérir, il ne peut plus enseigner la division, la séparation, le conflit, la peur, la haine, et que ce genre encore que nous avons inventé dans l'esprit faux. Phrase 4. En ayant à ton esprit tout potentiel destructeur et en rétablissant ses pouvoirs purement constructifs, tu te mets en position de défaire la confusion des niveaux en notre vie. Donc la confusion des niveaux, c'est le fait de croire que nous pouvons être un corps ou que nous pouvons être autre chose, alors que nous sommes de pur esprit. Nous ne sommes même pas d'esprit faux. Donc, une fois que nous avons accepté que nous ne pouvons plus que guérir, que nous sommes l'expiation, que nous sommes le même que le Saint-Esprit, et que nous n'avons jamais quitté le ciel, nous nous mettons en position d'enseigner cela aux autres, à défaire la confusion de niveaux en les autres, au moyen du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre travail que d'aller le faire. Dans les séances de retraite payante, dans les séances d'enseignement vidéo, dans les séances de, ne sais pas moi, de culte, il s'agit d'accepter cette idée pour nous-mêmes en secret, et cette idée sera partagée par le Saint-Esprit à nos frères. Phrase 5. Alors, le message que tu leur envoies, c'est le fait véridique que leurs esprits sont pareillement constructifs et que leurs malcréations ne peuvent pas les blesser. Donc, celui qui a reçu véritablement l'expiation en ces termes envoie le message en pensée à ses frères de ce que leurs esprits sont pareils aux siens parce qu'il y a un seul esprit leurs esprits sont guérisseurs parce qu'il y a un seul esprit leurs esprits sont parfaits parce qu'il y a un seul esprit. Donc, ce qu'ils voient en nous. Est la même chose en eux et que les pensées fausses qu'ils ont ne sont pas réelles, elles n'ont aucun effet, elles ne peuvent rien changer à leur réalité immortelle. Ils sont comme nous, ils sont constructifs, ils sont guérisseurs, ils sont parfaits, ils sont des représentants du Saint-Esprit, ils sont Dieu, ni plus ni moins. Phrase 6. En affirmant cela, tu libères l'esprit de ce qu'il surévalue ses propres mécanismes d'apprentissage et tu ramènes l'esprit à sa véritable position d'apprenant. Donc en affirmant cela, nous libérons l'esprit de ce qu'il surévalue le corps comme étant sa réalité et nous le ramenons à sa véritable position d'apprenant parce que nous comprenons que celui qui avait pensé faussement est celui qui doit apprendre à penser avec justesse maintenant. Paragraphe 6, phrase 1. Il faut insister de nouveau sur le fait que le corps n'apprend pas plus qu'il ne crée. Il est très important pour un enseignant d'un cours à miracle, pour un faiseur de miracles, d'apprendre que le corps ne pense pas. Le corps ne pense pas. C'est quand nous croyons que le corps pense qu'il devient un fantôme, un magicien qui fait donc des choses bizarres, qui fait des pensées qui ne sont pas réelles. Parce que n'étant pas appelé à penser, si nous le dotons de la fonction de la pensée, il va donc penser bizarrement et non pas en conformité avec l'esprit, en conformité avec la volonté de Dieu, et du coup, ce qu'il va fabriquer sera la maladie, la mort, la souffrance, la douleur, que encore. Donc, il est impossible au corps de penser, le corps n'entend pas, le corps ne voit pas, le corps ne fait rien. Le corps est une marionnette, un morceau de bois, un robot métallique qui est projeté sur un écran comme au cinéma pour faire ce que l'esprit lui commande. C'est très important, il faut insister là-dessus pour celui qui veut apprendre un cours en miracle. Phrase 2. En tant que mécanisme d'apprentissage, le corps suit simplement l'apprenant mais si de douter faussement de sa propre initiative, il devient un sérieux obstacle à l'apprentissage même qu'il devrait faciliter. Donc le corps devrait être une marionnette qui permet à l'esprit faux de s'entraîner à penser avec l'ego. Ou avec le Saint-Esprit. Mais dès que le corps à l'écran est supposé avoir sa propre autonomie, avoir sa propre initiative de la pensée, du coup, le corps se sent indépendant de l'esprit et il croit qu'il peut prendre des décisions. En cela, il devient un obstacle sérieux à l'apprentissage qu'il devrait faciliter. Il empêche donc l'esprit de l'utiliser pour apprendre à penser avec le Saint-Esprit, avec le Go. L'esprit c'est même à croire que c'est le corps qui est en train de penser, au point où nous en sommes arrivés à croire que c'est le corps qui dicte ce qu'il veut à l'esprit. Et c'est ça la maladie, c'est ça l'erreur, c'est ça qui nous fait Durer dans le rêve, phrase 3 Seul l'esprit est capable d'illumination. Seul l'esprit faux est capable d'être illuminé quand il a appris à penser avec le Saint-Esprit comme l'esprit juste. L'esprit juste est déjà illuminé. L'esprit faux doit être illuminé en apprenant à penser comme le Saint-Esprit, en guérissant de ses erreurs, en acceptant l'expiation, en comprenant qu'il est le même que l'esprit juste à jamais et qu'il ne peut pas être autrement parce qu'il n'y a rien en dehors du pur esprit. Il n'y a rien en dehors du ciel. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Tout ce qui semble ne pas être Dieu, le pur esprit, le ciel, est une l'illusion est un rêve mais si nous apprenons donc cette leçon alors l'esprit faux devient illuminé parce qu'il aura appris à penser comme l'esprit juste il aura appris à penser avec le Saint-Esprit et c'est cela que l'ego est défait c'est ça l'illumination phrase 4 le pur esprit est déjà illuminé et le corps en soi est trop dense dans le pur esprit est déjà illuminé et le corps lui-même ne pense pas il ne peut donc pas être illuminé de par lui-même phrase 5 L'esprit peut toutefois apporter son illumination au corps en reconnaissant que celui-ci n'est pas l'apprenant et qu'il n'est donc pas possible de l'amener à apprendre. Le corps peut sembler être illuminé. Comment ça se passe Il faut d'abord que nous apprenions que le corps ne pense pas et que nous lui enlevons toute initiative de la pensée pour qu'il se devienne seulement un mécanisme de communication pour l'esprit, un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Donc, quand l'esprit regarde au monde, quand il regarde au corps, et ne trouve pas la prétention à penser dans ces choses, alors l'esprit envoie sa lumière au corps, et le corps devient comme une colonne de lumière qui s'élève de, de là où nous sommes jusqu'au ciel. Donc l'esprit illuminé va voir à la place des corps des colonnes de lumière, parce qu'il a enlevé au corps la prétention à penser. Vous voyez, quand nous décédons, nous pouvons voir la lumière comme on voit les ténèbres. Dans cette lumière, nous voyons souvent des formes. Ces formes que les gens appellent souvent mon ange, mon guide ou alors Jésus ou Dieu. C'est ces formes qui sont dans nos frères, dans la lumière de l'esprit, juste dans la lumière du monde réel. et Ces formes remplacent dans des corps que nous verrions si nous croyons que le, le corps a son propre, sa propre initiative de la pensée. Donc l'esprit peut apporter l'illumination au corps s'il a reconnu que le corps ne pense pas et que le corps n'est qu'un mécanisme d'apprentissage. Mais dès l'instant où l'esprit décide que le corps peut penser, que le corps à sa propre initiative, du coup, le corps ne peut plus recevoir de l'esprit, il ne peut plus être illuminé. Phrase 6. Toutefois, le corps peut facilement être aligné sur un esprit qui a appris à regarder par-delà le corps vers la lumière. C'est ce qu'il venait de dire. Donc, le corps s'aligne sur l'esprit, le corps devient un modem, il devient un mécanisme de communication, un mécanisme d'apprentissage. Quand l'esprit lui a dénié toute aptitude à penser, si bien qu'il devient simplement un outil que l'Esprit utilise pour apprendre à penser avec le Saint-Esprit ou avec l'Ego. Paragraphe 7, phrase 1. Un apprentissage correctif commence toujours par l'éveil du Pur-Esprit et l'abandon de la croyance à la vue physique. Nous avons le choix entre penser unité parfaite et penser dualité entre penser avec le Pur-Esprit et penser avec l'Ego. Entre croire que le pur esprit est la vérité et le monde est la vérité. Dans l'apprentissage de ce cours on commence toujours par reconnaître que l'unité parfaite est la vérité et que la dualité est une folie, est une illusion. Aussi longtemps que nous croyons encore que la vue physique qui nous montre la dualité nous montre la réalité, nous ne pouvons pas apprendre ce cours. Dans la correction des erreurs de l'esprit faux on commence par reconnaître que le pur esprit est la vérité et que. Ce que le corps nous montre, ce que les yeux, physiques nous montrent, les yeux physiques nous montrent, ne peut pas être réel parce que cela est la dualité. Phrase 2. Cela entraîne souvent de la peur parce que tu as peur de ce que la vue spirituelle va te montrer. Voyez-vous, nous croyons que nous avons quitté le ciel et que nous avons attaqué Dieu et que dont nous sommes coupables. Cette attaque imaginaire de Dieu a produit en nous une culpabilité inconsciente qui devient des monstres, des démons et Satan dans notre esprit. Et cette peur qui est induite est ce que nous fuyons quand nous voulons être des corps. Donc le fait de croire que nous avons attaqué Dieu nous fait nous sentir coupables. La culpabilité s'est transformée en des démons et en Satan dans notre esprit. Donc, nous croyons que si nous rentrons voir ce qui est dans l'esprit, que nous ne sommes plus des corps, nous allons donc voir Satan et les démons, l'enfer et autres. Et pour ne pas voir ces choses, nous préférons être des corps. Je nous rappelle que l'esprit fonctionne selon le principe de l'un ou l'autre. Donc, soit nous sommes l'esprit, soit nous sommes le corps. La peur de voir dans la culpabilité inconsciente et les démons qu'elle a fabriqués dans notre esprit nous encourage à demeurer des corps et à refuser de croire que nous sommes l'esprit et à refuser de retourner à l'esprit pour voir ce qu'il y a dedans. Ce faisant, nous oublions que l'esprit a deux parties. Une partie, certes, qui est dans ses démons et ses fantômes et que c'est est Satan, l'esprit faux quand nous ne sommes pas encore guéris. Et une autre partie qui a plutôt le Saint-Esprit, qui a le pur esprit, qui a le Christ et qui est le reflet du ciel, que nous pouvons aussi choisir de voir quand nous rentrons à l'esprit. Donc rien ne nous impose de retourner à l'esprit pour plutôt voir la partie qui est monstrueuse. Nous pouvons aussi rentrer à l'esprit pour plutôt voir la lumière. Mais étant dans cette ignorance, nous avons donc peur d'abandonner la vie physique, parce que nous croyons que dans l'esprit, il n'y a que Satan, les monstres, les démons, la mort et que sais-je encore, l'enfer. Phrase 3. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit ne peut pas voir l'erreur et qu'il est capable seulement de regarder au-delà vers la défense de l'expiation. Le fait est que si nous sommes identifiés au Saint-Esprit, il ne peut pas voir l'Esprit faux. Il ne peut pas voir la division, la séparation. Il ne peut pas voir les démons. Il ne peut pas voir Satan. Il ne peut pas voir les ténèbres. Donc, nous avons donc la possibilité de rentrer à l'Esprit avec le Saint-Esprit pour ne plus voir la lumière et ne pas voir les ténèbres et les monstres que nous avons inventés là-bas parce qu'ils ne sont pas réels. Donc, nous devons comprendre que nous avons l'alternative dans l'Esprit. Nous devons cesser d'avoir peur de l'Esprit parce que nous croyons qu'il n'est que ténèbres. Non. L'esprit a une partie lumière que nous pouvons choisir d'aller voir si nous rentrons au niveau de l'esprit. Phrase 4. Il n'y a pas de doute que cela peut produire un malaise. Or, le malaise n'est pas le résultat final de la perception. Donc, nous pouvons nous retrouver dans un malaise quand nous appons entre la vue physique et la vue spirituelle, surtout qu'il y a deux vues spirituelles possibles. La vue spirituelle avec l'ego qui nous montre dans les ténèbres, l'enfer, Satan et les démons. Et la vue spirituelle avec le Saint-Esprit qui nous montre plutôt le Saint-Esprit, le Pur-Esprit, la lumière et le Christ. Donc, nous, ces trois vues, quand nous balotons, quand nous basculons entre ces trois vues accidentellement ou volontairement, ça peut créer un petit malaise pour un temps. Phrase de 5. Quand il est permis au Saint-Esprit de poser son regard sur la profanation de l'autel, il regarde aussi immédiatement vers l'expiation. Dans le Saint-Esprit, certainement, il peut jeter un coup d'œil furtif rapide sur l'esprit faux et voir que, oh, mon frère croit aux ténèbres, mon frère croit aux démons, mon frère croit à Satan, mon frère croit à la peur, mon frère croit à la haine, au conflit. Tout de suite, il tourne son regard vers la lumière pour dire Pourtant, voilà ce qu'il voudrait que mon frère voie. Et il redirige notre regard vers l'expiation, vers la lumière, vers le pur esprit, vers le Christ, vers la vie. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, si son regard tombe furtivement, rapidement sur l'esprit faux, c'est tout juste pour nous ramener donc vers l'esprit juste immédiatement. Phrase 6. Rien de ce que le Saint-Esprit perçoit ne peut induire la peur. Donc le Saint-Esprit ne peut jamais regarder ce qui induit la peur. Il ne peut regarder que ce qui induit la paix, la joie, l'amour, la vie. Phrase 7. Tout ce qui résulte de la conscience spirituelle est simplement canalisé vers la correction. Donc, quand le Saint-Esprit regarde dans l'univers de la pensée, dans l'esprit, il nous dirige automatiquement et toujours vers l'Esprit juste. Il est donc important que quand nous en entrons dans l'Esprit, que nous y rentrons avec le Saint-Esprit et non avec l'ego. Si nous allons à l'Esprit avec l'ego, nous allons voir ce que nous allons voir, des horreurs, des dangers, la mort, la peur, l'enfer, Satan, les démons et autres. Mais si nous y allons avec le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas voir ces choses. Nous ne pourrons voir que la lumière, la vie de Saint-Esprit. Nous ne pourrons voir que le pur esprit. Nous ne pourrons voir que le reflet du ciel. Phrase 8. Le malaise n'existait que pour amener à la conscience le besoin de correction. Donc, même quand il nous est donné de voir rapidement, l'ego de voir les ténèbres, de voir les démons, de voir Satan quand nous allons dans l'esprit. C'est juste pour nous rappeler rapidement que ce n'est pas vrai, que nous lui disions, écoute, j'étais de passage, mais tu n'es pas réel, je m'en vais chez moi, et nous retrouvons donc dans l'esprit juste. Ce qui nous fait souvent avoir peur quand nous sommes décédés et que nous sommes dans l'esprit, c'est de croire que les ténèbres que nous voyons sont réelles, que Satan est réel, les démons sont réels, l'enfer est réel, et nous y restons à trembler. Pourtant, il suffit que nous lui rappelons que nous étions de passage. C'était un petit coucou, mais nous rentrons à la maison ils ne pourront pas nous retenir parce que c'est nous qui les avons inventés, ils ne sont pas réels et c'est nous aussi qui pouvons les abandonner pour retourner chez nous à la vie au ciel avec le Saint-Esprit. Paragraphe 8, phrase 1. Finalement. C'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de la guérison que vient la peur de la guérison. Dans ce cas, nous voulons accepter la guérison à moitié, c'est-à-dire que nous voulons pardonner à certains frères et pas à d'autres. C'est de là que vient la peur de la guérison. Parce que si longtemps que nous avons pardonné seulement à certains, nous avons seulement accepté certaines idées de Dieu et rejeté d'autres, le conflit va demeurer dans notre esprit et du coup, il va nous faire croire que la guérison est dangereuse. Nous croyons que nous avons guéri et que la peur est toujours là et on aura donc peur de la guérison. Dans le fait de vouloir guérir à moitié, fait que nous allons croire que nous sommes guéris et être stupide de voir que la peur est toujours là et dire mais finalement la guérison n'est pas efficace. Finalement la, la guérison est dangereuse et du coup, ça va susciter la peur de la guérison. Phrase 2. Ce que l'œil du corps voit ne corrige pas pas plus que l'erreur ne peut être corrigée par un quelconque mécanisme observable physiquement. Le monde est un univers à part de l'univers de l'esprit. Le monde est comme l'écran de cinéma et ce qui se passe dans le monde ne peut jamais être guéri, ne peut jamais être entier, ne peut jamais être une idée. Par conséquent, le monde n'a pas vocation à, se, à guérir l'esprit. Donc ce que l'œil physique voit est toujours dans l'écran dans de cinéma. Et ce qu'il voit est toujours dualiste, et ce qu'il voit est toujours malade du point de vue du concept et de l'idée. Cela ne peut donc pas guérir l'esprit parce que l'esprit ne peut pas être enseigné par ce qu'il a lui-même projeté. Phrase 3. Aussi longtemps que tu crois en ce que ta vue physique te dit, tes tentatives de correction seront mal dirigées. Aussi longtemps que tu crois que le monde est réel, aussi longtemps que tu crois que le corps pense, aussi longtemps que tu crois que le, le corps peut faire quoi que ce soit dans ton esprit, tu ne pourras pas guérir ton esprit des mal créations, tu ne pourras pas enseigner à ton esprit la vérité, tu ne pourras pas lui donner l'idée de l'expiation. Phrase 4. La vraie vision est obscurcie parce que tu ne peux pas supporter de voir ton propre hôtel préfané. Donc nous avons peur de regarder le dans l'esprit parce que nous ne pouvons pas supporter de voir les ténèbres que nous avons mis, que nous ne pouvons pas supporter de voir le Satan, les démons, les fantômes que nous avons mis dans notre esprit. C'est ça qui fait que, au lieu de voir la lumière, nous avons peur de voir les ténèbres que nous avons placées dans notre esprit. Donc la vraie vision... Le fait de voir l'Esprit juste, mais aussitôt que nous croyons que l'Esprit faux est réel, nous ne pouvons plus voir l'Esprit juste. Je rappelle que l'Esprit fonctionne selon le principe de l'un ou l'autre. Soit nous voyons l'Esprit juste avec le Saint-Esprit et nous sommes dans la lumière, soit nous voyons l'Esprit faux avec l'ego et nous sommes dans les ténèbres. Donc, l'Esprit juste, sa vision est obscurcie dès l'instant où nous croyons que l'Esprit faux est réel et qu'il devient notre réalité. Phrase 5. Mais puisque l'autel a été profané, ton état devient doublement dangereux à moins qu'il ne soit perçu. Donc, nous croyons que le tel était profané et nous croyons que nous sommes dans le monde. Ça nous fait double danger. Nous devons non seulement savoir que le monde n'est pas réel, mais aussi que l'esprit ne peut jamais être profané. Du coup, nous allons guérir. Donc, nous avons deux niveaux de guérison à traverser. Premièrement, reconnaître que la matière n'est pas réelle et que tout est dans l'esprit. Deuxièmement, reconnaître que les idées fausses sont impossibles parce que l'esprit ne peut jamais changer. L'esprit étant Dieu et Dieu ne peut pas changer. Paragraphe 9, phrase 1. La guérison est une attitude qui s'est développée après la séparation, avant quoi elle n'était pas nécessaire. C'est quoi la maladie La maladie, c'est croire que l'esprit n'est pas parfait. C'est croire que l'esprit n'est pas Dieu. C'est croire que l'esprit peut avoir des parties guéries, et des parties qui ne sont pas guéries. C'est croire que l'esprit peut avoir des niveaux. C'est croire que l'esprit peut être séparé. C'est croire que l'esprit peut être fragmenté. C'est ça la maladie. Donc tout cela est venu avec la séparation quand nous avons quitté le ciel. Au ciel, nous savions qu'il y a qu'un seul esprit, c'est le pur esprit, et cet esprit est Dieu. Une fois que nous avons décidé de faire notre portion de l'esprit de Dieu, nous avons donc fabriqué la particularité. Nous avons fabriqué quelque chose qui est l'opposé du ciel. Et comme l'esprit de Dieu est toujours guéri, l'esprit que nous avons fabriqué est une partie malade qu'on appelle l'esprit faux. Donc la guérison a été nécessaire une fois que nous avons cru que nous pouvons nous séparer de Dieu. Avant la séparation, le concept de la guérison n'était point nécessaire parce que nous étions toujours en santé, nous étions toujours unis, parfaits, ne pouvons pas imaginer qu'il y a un besoin de faire quoi que ce soit pour retourner à quoi que ce soit. Ce qui est éternel, fait par Dieu, créé par Dieu, ne pouvons pas changer. Phrase 2. Comme tous les aspects de la croyance dans l'espace et le temps, elle est temporaire. Donc, comme tous les aspects de ce que nous avons inventé dans nos rêves, c'est-à-dire le temps et l'espace, la guérison est temporaire et nous perd que pendant que nous croyons que nous sommes séparés de Dieu. Une fois que nous allons retourner à l'unité parfaite et à la connaissance de Dieu, nous allons oublier le concept de la guérison. Il sera pour nous insignifiant. On ne pourra même pas concevoir qu'il puisse avoir besoin de parler de guérison de quelque manière que ce soit. Phrase 3 Toutefois, aussi longtemps que le temps persiste, il est besoin de guérison comme moyen de protection. Aussi longtemps que nous croyons que la dualité est réelle, aussi longtemps que nous croyons que l'esprit est divisé, fragmenté, aussi longtemps que nous croyons que nous sommes réellement ici et donc nous avons quitté le ciel, nous avons besoin de guérir. L'illumination sera le test, le témoin de ce que nous sommes définitivement guéris et nous allons rentrer au ciel. Donc, si nous ne sommes pas encore illuminés, alors nous avons encore besoin de guérison pour nous protéger contre la prolongation de notre rétention dans le cycle de naissance et des morts rêvées. Phrase 4. Car la guérison repose sur la charité et la charité est une façon de percevoir la perfection de d'autrui, même si tu ne peux pas la percevoir en toi-même. Dans la guérison, c'est reconnaître que mon frère est pur esprit, c'est reconnaître que mon frère est Dieu, c'est ça le pardon. Donc, même si je ne peux pas encore le reconnaître en moi-même, et c'est normal puisque je suis encore ici, je dois quand même pouvoir reconnaître que mon frère, lui, il est Dieu, mon frère est le même que Dieu, mon frère est pur esprit, et en cela... Je reçois la même chose parce que nous sommes un seul esprit. Donc, si je suis encore ici, c'est parce que je n'ai pas encore reconnu que je suis Dieu. Mais au moins, si je suis charitable, je peux reconnaître que même si moi, je n'y suis pas encore, mon frère ne peut jamais avoir changé parce qu'il est fils de Dieu et ce que Dieu a créé est éternel. Mais. Une fois que j'ai reconnu cela, parce qu'il y a un seul esprit, cela s'applique aussi à moi et le Saint-Esprit va partager cette pensée à tous mes frères dans l'univers. C'est en cela que je guéris moi-même. Donc, c'est en cela que la guérison repose sur la charité ou le fait de reconnaître que mon frère y est déjà, même si je ne peux pas encore voir que moi-même j'y suis. Phrase 5. La plupart des concepts plus élevés dont tu es capable maintenant dépendent du temps. Donc, la plupart des concepts dont nous sommes capables dans nos rêves sont évolutifs, sont progressifs, sont à niveau. C'est normal parce que l'Esprit croit au niveau dans nos rêves. Mais dans la réalité, tout ce que nous faisons est converti en une à la perfection et au maximum. Le Saint-Esprit ne pourra pas concevoir les niveaux. Même si nous croyons que nous avons fait un petit miracle pour lui, il convertit tout miracle au maximum et à la perfection. Phrase 6. La charité est en fait de un reflet plus faible d'un amour qui embrasse tout beaucoup plus puissant et qui va au-delà de n'importe quelle forme de charité que tu es présentement capable de concevoir. Toute cette longue phrase veut simplement dit que la charité est le reflet de l'amour dans le rêve. Donc la charité est le fait de reconnaître que mon frère a déjà atteint plus que moi. Paragraphe 10, phrase 1. La charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qu'il a effectivement accompli dans le temps. Donc, au ciel, dans l'unité parfaite, nous sommes les mêmes, nous sommes égaux, nous sommes amour. Mais dans le rêve, où nous croyons encore au niveau, la charité, c'est le fait pour moi de voir que mon frère est déjà Dieu, même si je ne le vois pas à moi-même, c'est en cela. Que je suis charitable et j'ai besoin de ça pour donner le pardon quand tu mes frères quand je pense que mon frère est un ego quand je pense que mon frère est un corps je lui manque de charité mais quand je reconnais qu'il a dépassé de, de beaucoup ce qu'il a effectivement accompli parce que mes yeux ne me montrent pas la vérité et que la vérité est qu'il est dieu alors j'ai été charitable à son égard phrase de dieu Puisque sa propre pensée est erronée, il ne peut pas encore voir l'expiration pour lui-même. Sinon, il n'aurait pas besoin de charité. Donc, mon frère étant encore ici, mon frère croyant qu'il est encore divisé, qu'il est encore différent de Dieu. Il ne peut pas avoir l'expiation pour lui-même. Son esprit n'est pas encore guéri. Mais moi qui le vois, moi qui suis charitable, moi qui connais ce qu'il est réellement, je peux me souvenir de ce qu'il est et lui donner cette pensée. Il lui dire Mon frère, souviens-toi, il y a une alternative à ce que tu vis maintenant. Tu es Dieu, tu es le Saint-Esprit, tu n'as jamais quitté le ciel, tu es parfait, tu as tout le pouvoir de Dieu, tu as l'usufruit de tous ses attributs. Donc, quand je pense ainsi, je fais mon tour de charité. Et comme nous avons le même esprit. Tout ce que le Saint-Esprit va donc lui donner, parce que le Saint-Esprit partage tous les pensées d'amour à tous, forcément, il va aussi me le donner. Donc, c'est cela que la charité est utile dans le rêve. Phrase 3. La charité qui lui est accordée reconnaît à la fois qu'il a besoin d'aide et qu'il acceptera. Donc, si je donne cette pensée d'amour, cette pensée de l'expiation à mon frère, ça veut dire que j'ai reconnu qu'il en a besoin puisqu'il croit qu'il est encore ici, puisqu'il croit qu'il est en train de souffrir, puisqu'il croit qu'il est séparé. Et surtout, je suis convaincu qu'il acceptera parce qu'il est fils de Dieu. Donc, c'est en cela que je lui donne cette pensée d'amour et de l'expiation. Parce que je sais qui il est, je suis convaincu qu'il acceptera, il sait qu'il veut rentrer au ciel et c'est en cela donc la charité. Phrase 4. Ces deux perceptions impliquent clairement qu'elles dépendent du temps, ce qui montre bien que la charité se situe encore dans les limites de ce monde, puisque la charité suppose qu'il y a des niveaux puisque la charité suppose que mon frère a besoin de, de qu'il l'acceptera. Donc ça montre que mon frère ne sait pas encore qu'il est déjà Dieu. Du coup, c'est des pensées qui ne sont applicables que dans le rêve, c'est des pensées qui ne sont applicables que dans le temps, c'est des pensées qui supposent qu'il y a une certaine évolution qui se passe, parce que dans l'éternité, tout a déjà été fait. Et même quand le Saint-Esprit partage une pensée, c'est toujours à la perfection, mais moi et mon frère étant dans le rêve, je ne peux penser que, selon un rêveur, en pensant que mon frère n'y est pas encore et qu'il va y arriver, donc je suis en train de fonctionner au niveau du temps. Je pense que mon frère a besoin d'aide. Ce n'est pas vrai, mais je le pense là mon rêve et je reconnais qu'il va l'accepter. C'est encore une manière de penser qu'il n'y est pas encore. Phrase 5. J'ai dit plutôt que seule la révélation transcende le temps. Donc la révélation, c'est l'unité parfaite avec Dieu. Elle est temporaire, parce que c'est une invitation exceptionnelle de Dieu à aller voir le ciel, même si je n'y suis pas encore. Donc la révélation est une manière de sortir du temps, c'est une invitation de Dieu pour aller voir ce que sera mon héritage quand je serai illuminé et que je serai retourné ultimement au ciel. Donc quand je suis dans la révélation, le temps n'existe plus pour moi. J'entre dans l'éternité, ponctuellement et j'y reviens dès que l'expérience est terminée. La révélation est ce que les spiritualités du monde appellent l'espérance du tout. Dans l'espérance du tout, on voit encore la matière, on voit les choses, on voit les corps, on voit les objets, alors que dans la révélation, on ne voit rien, on ne fait que l'expérience de la présence de Dieu et de l'amour au ciel. Donc, ces deux expériences sont opposées. L'une est faite avec Dieu, la révélation. L'autre est fait avec l'ego pour nous montrer tout l'univers, comment il est uni, comment on peut entrer dans une feuille de papier, dans, une, dans un animal, dans une roche, dans un fleuve, et que sais-je encore, parce qu'on est en train de faire l'expérience de l'unité de la matière, de la fausse unité de l'ego. Phrase 6. Le miracle comme expression de charité ne peut que abréger le temps. Donc le miracle est le fait de donner les pensées d'amour à mon frère de lui rappeler ce qu'il a déjà donc ce sens cela qu'il est une expression de charité et quand mon frère se souviendra de ce qu'il est déjà Dieu de ce qu'il a déjà tout et de ce qu'il est déjà tout. Alors, le temps sera abrégé pour lui. À mesure qu'il va apprendre cela, il va réduire le temps de son incarnation rêvée. Et quand il aura tout appris, il va donc sortir du rêve. Évidemment, moi aussi, j'en profite. Parce que tout ce que je donne à mon frère, quand c'est des pensées d'amour, m'est retourné par le Saint-Esprit, qui veille à ce que les pensées d'amour soient toujours partagées également à tous. Phrase 7 il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Donc chaque fois que nous donnons une pensée d'amour à notre frère, nous la recevons nous aussi en retour et cela réduit la durée de notre incarnation rêvée. Ce sera la souffrance, être séparé de Dieu pour souffrir dans ce monde, pour lutter, pour survivre dans ce monde. Ce sera la souffrance. Donc, donner le miracle à mon frère, c'est lui rappeler les pensées de Dieu. Et quand il les a acceptées qu'elles ont émergé dans sa conscience, il est illuminé et moi avec. Phrase 8. Cette correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement. Donc, un miracle qui est donné à mon frère. Voyez-vous, nous faisons l'expérience de plusieurs incarnations rêvées. Dans diverses incarnations, nous avons commis l'erreur de croire que le monde est réel et que nous sommes réellement ici. Par cela, nous n'avons pas guéri ces idées fausses dans notre système de pensée, qui est le même de vie en vie, même si nous n'en sommes pas conscients. Donc, une fois qu'un miracle vient pour, par exemple, nous enseigner que le monde n'est pas réel, ça va corriger toutes les erreurs que nous avons commises dans le passé et dans le futur, qui nous enseignent que le monde est réel et que nous avions accepté à l'époque. Donc, une fois que nous avons appris une leçon pour corriger une erreur dans notre système de pensée, elle s'applique dans les vies passées et dans les vies futures. C'est cela que la correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement quand nous apprenons une idée de Dieu. Fin d'un courant miracle au chapitre 2, section 5, la fonction du faiseur de miracles. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.